chanson qui reste vraiment d'actualité quand même. Hein. C'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Les chansons, c'est comme toi, quoi, sa vie. Les chansons, c'est comme toi, ça vieillit pas ou ça se bonifie, je sais pas. Oui, d'accord. Il va me demander quelque chose. Oui, à propos, oui, ça vieillit pas, oui. Certaines chansons n'ont pas vraiment vieilli, mais... Et en 62, j'avais écrit une musique qui s'appelait Fort Chabrol. Voilà, bon, j'étais musicien. D'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure était valable. J'ai, voilà, j'ai écrit ça, et alors, vous faites quoi comme métier? Bon, peu importe. Donc, j'ai écrit Fort Chabrol, et un jour, un chanteur niçois l'a chanté, puisque les paroles ont été posées dessus, l'a chanté, et c'est devenu Le Temps de l'amour. Et la maman de Thomas, que vous connaissez, Françoise, a adoré la chanson. Elle a adoré la chanson et donc l'a enregistrée. Et ce soir, on va demander à Fred qui la joue à ma place pour elle et pour vous. J'adore avec ce morceau que Fred vient de jouer, c'est que c'est un morceau, voilà, et c'est la première collaboration de mon père et de ma mère. Ils n'étaient pas encore ensemble en plus, donc c'est beau. Puis c'est toute une époque, ce son de guitare, ça, j'adore ça vraiment. Et voilà, ma maman malheureusement ne peut pas venir au concert, tout ça, mais des fois elle a des amis ou des espions dans la salle. Elle surveille un petit peu ce qui se passe, elle regarde sur YouTube des petites vidéos, des trucs. Et donc je suis obligé de vous chanter la chanson que j'ai composée moi, tout seul avec mes petits doigts, qu'elle préfère de moi. Parce que si je la fais pas, je me fais engueuler, et puis ça c'est... On veut pas, on veut lui faire plaisir. Ça s'appelle Sésame.